Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas Tuto et je vais faire une nouvelle vidéo tuto, comment reconnaître un vrai iPhone 12, 13, 14, 11, ça marche sur plusieurs téléphones. À la base, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir le numéro d'IMEI, voilà, on va dans les réglages, tac, dans informations, dans général, hop, dans informations, etc. Et quand vous cliquez sur informations, vous descendez en bas. Vous aurez le numéro d'IMEI, tout ça, et vous allez sur Check IMEI, sur le site d'Apple, pour voir s'il est toujours sur garantie. Voilà, mais ça, maintenant, ils mettent des vrais numéros dans les faux iPhones. C'est ça le problème. Maintenant, ils mettent des... Voilà, ils mettent des... Donc, il y a un truc très, très simple à faire. Vous prenez l'iPhone, vous restez appuyé sur le bouton Power. Pas les boutons plus et moins ici, vous voyez, là, il y a les plus et moins du volume. Là, le bouton du vibreur, pas ça. Vous restez là, vous restez appuyé longtemps. Et s'il y a ça qui s'affiche, c'est que c'est un vrai. C'est dis-moi Siri, voilà. Vous restez appuyé, hop, il y a ça qui s'affiche, c'est Siri, tout simplement. Pour faire cela, vous devez désactiver le mode avion. Voilà. Donc, il n'y a pas ce mode Siri là sur les faux iPhones parce que maintenant, ils les font super ressemblants hein, avec du verre, avec les matériaux, tout ça. Il y a aussi autre chose. Il y a aussi autre chose, c'est les caméras. Quand il y a deux ou trois caméras, dans les cas des téléphones où il y a deux ou trois caméras, donc les SE, ça va être difficile de faire cette vérification. Vous allez dans les vidéos. Voilà, vous allez ici dans appareil photo. Voilà, par exemple, appareil photo, hop, voilà, et vous venez là et vous bouchez un des deux, pas les deux, un seul des deux. Donc là, vous êtes objectif 1, et à côté, vous voyez, il y a 0,5. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a 0,5. Donc, avec quand vous cliquez sur 0,5, vous basculez sur l'autre, voilà, et vous enlevez votre doigt, vous le remettez. C'est-à-dire qu'il y a deux caméras. Dans les faux, non. Dans les faux, en fait, vous passez de l'un à l'autre, même si vous cachez une caméra. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule caméra et elle est factice. Voilà. Et aussi la qualité de caméra. Par exemple, la stabilisation. Vous prenez une vidéo comme ça. Alors, je vais le faire devant vous. Et vous faites comme ça, tu vois. Et vous bougez un petit peu comme ça. Vous arrêtez. Et vous regardez, normalement, il y a un travail de stabilisation par logiciel, que l'image, elle n'est pas tremblante. Non, ça, c'est un mauvais exemple, là. Je vais le faire, Mais vous le faites, voilà, sur un paysage, par exemple, attendez. Ça, je vais le couper au montage. Voilà, vous prenez une vidéo, par exemple, comme ça, et vous bougez un tout petit peu comme ça, un tout petit peu comme ça. Tac, normalement, il y a le travail de stabilisation. Vous voyez, le travail de stabilisation, ça fait que ça bouge beaucoup moins que j'ai bougé en vrai. Vous faites ce test-là, les qualités de vidéo. Il y a quoi encore? Un des points de contrôle importants, c'est l'App Store, tout simplement. Vous cliquez sur l'App Store. Ah ouais, faut s'enlever du mode avion. Enfin, vous mettez votre carte SIM ou un partage de connexion et vous allez dans l'App Store. Vous regardez dans l'App Store, quitte à se connecter. Après, vous vous déconnectez de partout. L'App Store, quand vous allez sur l'App Store, c'est un Google Store en fait. C'est pas un App Store Apple, c'est un Google Store, voilà, tout simplement. Voilà. Mais comme je vous ai dit, rien que la caméra, quand il y a deux caméras, voilà, ou ne serait-ce qu'appuyer ici sur Siri, voilà, si vous avez ça qui s'affiche comme ça, pareil, ça, ils ne peuvent pas le faire, ça, les faux iPhone, ils ne peuvent pas le faire tout simplement. Voilà quelques points de contrôle, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nas Tuto, premier sur les astuces. Tchou, c'est là, va s'afficher la dernière vidéo que j'ai publiée, là, comment capter mieux la 4G, là, d'autres vidéos en relation avec les smartphones et les tutos. Tchou.